Je voudrais faire une déclaration. J'ai perdu mes papiers. Vous avez perdu ou on vous les a volés? Volés ou perdus, je sais pas. Je les avais, puis l'instant d'après, je ne les avais plus. Donc je voudrais faire une déclaration. Une déclaration de perte ou de vol, peu importe. Je voudrais refaire mes papiers. Très bien, je vais sortir un formulaire. Donc il me faudrait une pièce d'identité. Mais je les ai perdus, je vous dis. J'ai perdu mes papiers. Un passeport, peut-être? Mais non, pas de passeport. Un permis de conduire? Pas de permis. Alors, je crains que ce ne soit pas possible. Comment ça? Si vous n'avez pas au papier, je peux pas prendre de déclaration. Mais je les ai perdus, je vous dis. J'ai perdu mes papiers. Salut, ça va? Oui, oui, ça va. Ça va très bien, et toi? Oh, ça va très bien. Ça va vraiment très bien. Qui c'est? Oh, personne. Personne? Oui, il a perdu ses papiers, donc par conséquent... Donc par conséquent, vous n'êtes plus personne. Pardon? Vous n'êtes plus personne. C'est toujours la même chose. À chaque fois, ils ne comprennent pas. Ils sont étonnés. Écoutez, laissez tomber, je vais m'en aller. Je crains que ce ne soit pas possible. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas vous laisser sortir. Vous n'avez pas vos papiers. Ah, si vous n'avez pas vos papiers, on ne peut pas vous laisser sortir. Ah tiens, tu es là toi? Oui, je passais par là. Et tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ça va bien, ça va très bien. Écoutez, vous pouvez m'expliquer? Ah, c'est très simple. On ne peut pas vous laisser sortir si vous n'avez pas vos papiers. On ne peut laisser sortir personne sans papier. C'est très simple. Tout n'est pas aussi simple, mais ça, c'est simple. Oh oui, ça, c'est très simple. J'ai votre fichier total. Attends, comment tu vas? Écoute, ça va bien et toi? Excusez-moi, vous avez quoi? Attendez, vous permettez? Vous permettez? Oh, ça va bien, ça va très bien. Voilà, maintenant je peux vous répondre. J'ai votre fichier total. Ah, c'est toi qui as son fichier? Ah oui, c'est moi. Je me disais aussi. Quoi? Non, mais parce que je cherchais son fichier. Excusez-moi, j'ai un fichier? Eh oui, vous avez un fichier. Tout le monde a un fichier. Et qu'est-ce qu'il y a dans mon fichier? Nous avons les résultats de vos examens. Rassurez-vous, rien de grave. Rien de grave, mais... Il y a toujours un mais. Il y a souvent un mais. Sinon? Sinon, ce serait un peu trop... Un peu trop facile. Donc rien de grave, mais... Mais, nous vous recommandons de perdre du poids. Nous vous conseillons de perdre un peu de poids et de vous surveiller un peu. Pardon? Nous vous conseillons de vous surveiller? Et d'arrêter de fumer. Nous, vous savez, on dit ça pour votre bien. Il doit y avoir une erreur, hein. Il n'y a pas d'erreur. Il ne peut y avoir d'erreur. Avec le fichier d'otage, c'est impossible. Une administration telle que la nôtre, elle s'en faille. Exactement. Notre administration, elle s'en faille. Et tu vas bien? Ça va très bien. Et toi, ça va? Tout va bien. Alors c'est lui? Oui, c'est lui. Comment ça, c'est moi? C'est vous qui êtes responsable de tout ce désordre? Mais quel désordre? On voit bien que vous n'avez pas vraiment idée. Ça non, ça je peux te dire. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire? Je peux dire que vous n'avez pas vraiment idée du désordre que vous provoquez. Je peux jeter un œil sur le fichier? Oui, bien sûr. Donc, vous êtes né un 15 octobre. Ah non, pas du tout. Si, si, faites-nous confiance. Vous êtes né un 15 octobre. Et vous avez des antécédents? Non, enfin, quels antécédents? Des antécédents. Vous avez des antécédents? On a toujours des antécédents. Oh oui, si vous voulez. Oui, oui, faites-nous confiance. Vous avez des antécédents. Et puis, vous avez une enfance difficile? Non, je... Si, si, je vous assure, vous avez une enfance difficile. Cela expliquera votre geste. Quel geste? Ne faites pas semblant. Ça n'expliquera pas... Le geste, vous savez très bien. Ça n'expliquera pas tout, mais au moins, on comprendra. Oui, on aura une explication à laquelle se raccrocher. On a toujours besoin d'une explication. Le problème, c'est quand il n'y a pas d'explication. Alors, les spectateurs ne comprennent pas. Les spectateurs? Oui, les spectateurs. Le public, les gens. Ils ont besoin de comprendre. Ça les rassure. Une enfance difficile, c'est bien. Ah, ça marche toujours très bien, une enfance difficile. Ça émeut toujours. Et il pourrait avoir eu un problème avec son frère. Oui. Il y aurait une histoire de drogue avec son frère. Oui. Son frère sera en danger de mort s'il ne rembourse pas très vite l'argent qu'il doit à des dealers de drogue. Oh. Son frère aurait eu besoin d'argent. Cela expliquerait le geste. Mais quel geste? De quel geste parlez-vous? Donc, vous vous appelez
John Foster. Mais non, pas du tout. Vous voyez bien qu'il doit y avoir une erreur. Je m'appelle Jack Mitchell. Et vous avez les papiers pour le prouver? Mais non, puisque je les ai perdus, je vous dis. Ben voyons. Donc vous vous appelez John Foster? Mais non. C'est si, je vous assure, vous vous appelez John Foster. Où étiez-vous hier, monsieur Foster? Nous avons un trou dans votre emploi du temps hier, monsieur Foster. Nous avons perdu votre trace. Mais non. Si, nous vous suivions et soudain, vous avez disparu. Vous savez qu'il est interdit de disparaître, monsieur Foster. Stop! Non mais, vous allez vous calmer! Vous allez vous calmer tout de suite! Jusque là, je trouve qu'on nous en était très gentils avec vous. Extrêmement gentils! Oui, extrêmement gentils! Mais ça peut très vite changer. Qu'est-ce qui peut changer? Le temps peut changer, monsieur Foster. Où étiez-vous hier? J'étais chez moi. Mais dites-nous quelque chose que nous ne savons pas. Oui, dites-nous quelque chose que nous ne savons pas, déjà. Tiens, mais, en fait, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que je fais là? Il y a toujours été question que je sois là. Mais tu ne devais pas. Mais si, il y a toujours été question que je sois là. Et ça va? Non, en fait, ça va pas très bien. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, il dit que ça va pas bien. Je sais pas, ça va pas bien. Mais non, je déconne. Je vous ai dit. Il est con. Ah, il est vraiment trop con, tu m'as fait peur. Ah, mais moi, j'ai pas vraiment cru. Excusez-moi. Oui. On a fini? Ah non, on l'a pas fini. On vient à peine de commencer.